Salut, bande de nains de jardin. Toi, ta gueule, toi, je t'éclate, toi. Ok? Assieds-toi, ferme ta mouille. Je suis votre nouveau prof de histoire de France. Alors, pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que c'est l'histoire de France? Alors, bon, l'histoire de France, c'est toutes les histoires qui sont passées essentiellement en France. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier... Toi, ta gueule, autrement je... Assieds-toi, petit bâtard, là. Nous allons étudier cette photo de l'époque. C'est la Marave d'Austerlitz, hein? La bataille d'Austerlitz. Non, pas la station de métro. Qu'est-ce que tu me racontes, toi, là-bas? Ni la place. C'était à Austerlitz, là-bas, vers l'Espagne. Alors, ça s'est passé... C'est important de le savoir, à noter la date. Il hein, n'y a pas si longtemps que ça, donc un 2 décembre. Hein, c'est à l'époque de vos grands-pères, tout ça. Celui qui commandait, donc, qui a géré l'embrouille, tu vois. Y en a qui le connaissent certainement. Napoléon. On l'appelait... Napoléon, son nom de famille, c'était Bonaparte. Il faut savoir que, bon, c'était une bataille que c'était putain c'était chaud parce qu'il s'est marave contre les Austro-Russes. C'est où l'Austro-Russie? Ouais, j'en sais pas moi, tu m'embrouilles, tu demandes à ton prof de géo là, l'autre bâtard là. Je suis prof d'histoire de France. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir aussi, hein, c'est que bon au final bon bah c'est mon appart qui a gagné, hein, 5-0 je crois, ou 6, je sais pas, à deuxième mi-temps, enfin je sais pas, enfin il a bouilli un Poutine, mais comme il faut, tu vois, il a, voilà, vous regardez du coup la photo, hein, et vous pouvez voir que, putain, c'était chaud, quoi, tu vois, c'était violent, quand les mecs, ils mettaient la mayonnaise au bout du fusil, là, et puis, hein, ouais, ils se marrent avec de la mayonnaise, mais tu sais, à l'époque, ils étaient un peu starbés, les chums, là, attendez-moi, les nains de jardin, là, ouais, monsieur le directeur, vous voulez me voir? Tout de suite là, dans votre bureau. Tu viens au tableau là, tu surveilles pendant que hein, tu défonces la gueule s'il y en a un qui parle. Hein. Je vais voir l'autre bâtard directeur là. Je voudrais saluer la mémoire, mais aussi rendre hommage à l'homme.